Du coup, en sortant de troisième, je suis venu ici une année en maison familiale et j'ai fait des stages en cuisine qui m'ont permis d'obtenir mon CAP. Et depuis, après, j'ai tenu un commerce pendant 9 ans. J'ai fait diverses petites activités et en 2007, je recherchais un emploi et j'ai trouvé la maison familiale car la maîtresse de maison partait à la retraite. Moi, j'établis les menus pour chaque semaine. Je fais mes commandes, je réceptionne les commandes et je fais la cuisine principalement. Ensuite, je m'occupe de tout ce qui est intendance, c'est-à-dire le chauffage, tout ce qui est petit entretien, tel que les luminaires, les choses comme ça. Alors, du coup, j'ai fait un an, donc entre 87 et 88. Ça m'a bien aidé parce que, du coup, les stages, ils m'ont fait prendre des initiatives pour faire les démarches auprès des restaurants pour trouver ces stages et après ils m'ont permis d'acquérir un petit peu de connaissances dans des métiers et savoir ce qui m'attirait le plus ou pas du tout. Eh bien, je pense que les enfants qui sont plus ou moins qui ne trouvent pas leur branche au niveau scolaire, en quatrième, troisième, ils commencent à vouloir rentrer dans la vie active et ils recherchent quelque chose de différent, une éducation différente. Et nous, les maisons familiales, on propose comme de l'alternance en permettant de faire des stages dans différents corps de métier, d'où ils sortent avec des certitudes sur leur futur métier. Les enfants ressortent grandis de 2 années, 3 années, 4 années en maison familiale, car ils ont gagné en autonomie, ils se sont un peu détachés du cocon familial et du coup ils sont prêts à rentrer dans la vie active.